Coucou tout le monde, allez, on y va. On va voir un peu hein, les messages prédictifs, d'accord, que je peux vous faire passer. Alors, là, on a des choses qui reviennent en force. Hein. Bon, là, on parle de bon, l'homme, la femme. Hein. Quelque chose. Bon, oh punaise! Alors là, bon bah c'est un peu la merde, hein, parce que là, on peut se trouver dans le schéma de deux personnes. Ah ouais, de deux schémas. Alors, ah ouais. Alors là, voilà, tu pourras pas faire ta vie avec deux personnes. Tu peux pas. Hein. Donc là, clairement, alors il y en a un pour moi. Bon ben, il y en a un qui va revenir de ton passé ou alors il est déjà dans la zone, hein, tu vois. Et alors lui, ben, lui va vouloir se remettre avec toi. Le souci, c'est que soit tu en connais déjà un autre, c'est probable, et il est mieux pour toi. Hein, c'est vraiment quelqu'un de bien, d'accord. Et tu le sais ou tu le sauras. L'autre, moi, je pense que tu le connais ou la connais. Tu as déjà été en couple avec Louelle et tu as eu une séparation. Donc, franchement, de toute façon, moi, je pense que il y en a un des deux, il n'a jamais fait d'effort pour toi. Il y en a un des deux, il t'a laissé seul, il t'a laissé tomber. Donc franchement, moi en plus je sais pas, j'ai comme si les deux vont le vouloir, mais il y en a un qui va plus te le montrer. Un, il va se battre plus que l'autre pour toi, tu vois. Donc bon, après tu auras le choix, mais franchement fais le bon choix, hein, parce que un, ma parole, c'est un mauvais choix. Hein, un mauvais choix. Donc après, c'est à toi de choisir au final. Hein. Mais il y en a un qui vaut plus le coup que l'autre. Donc dans la vie, voilà. En plus, moi, je pense que le choix est clair. Hein. C'est le beau chevalier. Tu vois. Donc je ne pense pas que tu te remettes avec l'autre. Le beau chevalier a très peur. Hein. A très peur. Bon, a très peur de te parler. Mais il va falloir qu'il le fasse. Hein. Voilà. Hein, il y a ce truc, je sais pas. Il y a les peurs de parler, mais il va falloir qu'il se manie parce qu'il y a l'autre qui arrive. L'autre qui a beaucoup de retard pour arriver jusqu'à toi. Donc, il peut être loin.